Coucou tout le monde, sachez, j'espère que vous allez bien aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais raconter la partie 3, c'est une aventure un peu spéciale parce que ça y est, déjà pour Angèle, je continue à faire la suite de l'aventure avec Angèle part en vacances, partie 3. Oh, c'est rare qu'il y ait une suite. C'est rare qu'il y ait une suite. Donc, on va prendre la partie. Go! Quand elle t'a fait réveiller Angèle. Quand elle s'est réveillée, Angèle, tu dors? Je dormais. Bah oui, je dormais tranquillement. Bah, faut ça tout de suite, on va faire une petite activité. D'accord? Prends ta douche tranquillement et après tu descends. Tu descends, d'accord? Oui. J'arrive, je prends ma douche. Voilà, tout à quand après sa douche tout tranquillement et quand elle est descendue, Angèle commence à prendre son déj et tranquillement. Et après, quand elle dit aujourd'hui, les enfants, on va faire une petite activité manuelle, on va faire une petite activité dessin, coloriage, tout ce qui est. J'ai amené des feuilles blanches, des petites feuilles, un petit coloriage sympathique pour vous. Donc, j'ai amené quelques trucs pour vous. Pour vous occuper des jours avant cet après-midi, parce que cet après-midi il va faire chaud. Et cet après-midi on va à la piscine. Donc il y a une piscine dans le vide, à côté du vide. Donc on va tranquillement aller à la piscine, d'accord? Ouais! Et alors je vais pouvoir profiter de l'eau. Donc allez. Un point de dessin, un coloriage. Allez, on va aller manger. Ok. Allez, quand là après le repas. D'un coup, Angèle se fatigue. Angèle, moi je dois boire dans l'eau, d'accord? Oui, ok. Oui, après tu vas. Ah oui, après tu iras tout poser. On part à la piscine. On part à la piscine et après tu iras te reposer, d'accord? Ok. Quand c'est le début. Alors. D'habitude, on a une piscine à côté, mais nous on préfère aller ailleurs. Ouais. Allez. À la piscine. Après la piscine, quand Angèle se fatigue, elle arrive au lit. Elle prend sa douche et quand elle commence à se reposer, Angèle dormait tranquillement dans le lit, donc elle dormait tranquillement, donc elle se reposait tranquillement, paisible, donc elle faisait dodo, elle dormait tranquillement, donc paisible, avec Marvin. Ça pue genre Angèle. Le pauvre Marvin a été écrasé par Angèle. Donc, je vais laisser dormir, elle dort. Elle pose à tout. Elle sent bon. Faut trop que je vais laisser dormir. Elle dort. Donc, je ne suis pas obligé de la réveiller. Les enfants? Oui. Oui. Vous avez un petit peu faire moins de bruit parce qu'il y a Angèle qui dort, parce qu'Angèle dort tranquillement, donc elle voudrait se reposer, donc elle dort tranquillement, faut pas qu'on la réveille, parce qu'Angèle voudrait bien se reposer, donc elle dort tranquillement dans le lit, donc elle dort parce qu'elle est fatiguée. Elle est fatiguée, Angèle, vous savez qu'Angèle, le moment, elle se sent fatiguée, à coup du transport, de partir, et puis elle se fatigue. C'est compliqué pour Angèle de dormir. Bah oui, parce qu'Angèle n'est pas habituée à dormir dans un lit ailleurs. Angèle est habituée à dormir dans son lit. Angèle, dans son lit à elle, tranquillement, paisiblement, pour dormir, pour être calme. Là, Laura, tu la laisses dormir, Angèle, d'accord? Ok, je vais laisser Angèle dormir. Bah, elle est fatiguée, elle était petite, je voyais qu'elle était en état de fatigue, la pauvre petite. Donc là, on va laisser reposer Angèle, d'accord? Ok. On va laisser Angèle dormir. Elle dort tranquillement. On va laisser se reposer. Elle dort tranquillement, donc on va la laisser dormir, d'accord? Ok. Quand c'est le goûter? Angèle! Ça va, Angèle? Ça va. Tu as du goûter? Ok, j'arrive. T'as bien dormi? Ouais. Après le goûter, Angèle, je veux tranquillement avec la poupée, donc tranquillement. Elle s'est amusée, puis
et s'amuser tranquillement. Et puis, je disais, tiens, pourquoi pas jouer avec Laura? Je vais chercher Laura. Laura? Oui? Tu veux jouer avec moi? Ok, bah, j'arrive. Ah, je veux toi? Oui, je vais rejoindre Angèle parce qu'Angèle a besoin de moi. Ah, oui, bah oui, vous êtes bien ensemble. Bah oui, bah allez, monte, va la rejoindre. Angèle t'appelle, donc va la voir, elle va jouer avec toi. Elle va jouer, tu vas jouer avec Angèle, d'accord? Ouais, parce qu'elle a besoin de moi. On s'amuse ensemble. Je vais m'occuper de Marvina. On va s'occuper de Marvina, donc cette poupée qui arrive. Oh non, cette poupée qui a parlé de faire n'importe quoi. Donc voilà, on y va. Donc quand c'est le soir, Katia disait, elle dort, Angèle. Faut un petit peu moins de bruit. D'accord? Ok. À demain. Elle mélangeait. Elle dort bien, tu peux se mettre ta couette. Je mets la couette, tac, et à demain. D'accord, t'as vu ta vie? Impeccable, la vie s'est mise. Allez, bonne nuit, Angèle, à demain. Elle dort, faut la laisser. Elle dort, donc il faut pas l'obliger de la faire sortir du lit. Donc. Elle dort, là, elle dort tranquillement. Faut pas la réveiller, elle aime pas. Elle aime pas qu'on la réveille, donc faut la laisser dormir. Elle a de manger. Dans bien, elle aime sa vie, donc. Alors, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Partagez, commentez, mettez un pouce, vous pouvez mettre un commentaire sur ma chaîne. Abonnez-vous sur ma chaîne YouTube. Abonnez-vous, c'est gratuit. C'est gratuit. Vous pouvez vous abonner quand vous voulez. Donc, à demain pour une vidéo. Demain, parlera de moi, de mes vacances qui arrivent prochainement, la semaine prochaine. Prochainement, on finira cette petite aventure et on va s'arrêter pour le moment avant mes vacances à moi. À moi. Allez, à demain, prochaine vidéo. Allez, à demain. Allez, abonnez. Je vous laisse parce que je dois mettre la vidéo en ligne. Allez, à demain. Prochaine vidéo. À demain.